Bonjour, bonsoir, bonne nuit! Bienvenue à Let's Play quoi? Let's Play Urban Revolt, bien sûr! Avec qui? Avec Maître Fun! En ce moment, on est live Twitch, mais cette vidéo va être remise en rediffusion sur YouTube pour les gens qui me suivent sur YouTube, donc voilà. En gros, on est rendu à l'épisode 119 et aujourd'hui, je vais jouer en EFC. EFC pour tenter de monter mon score. Donc voilà, sans plus tarder, je vais faire combat pour qu'on puisse commencer. Donc pour voyez mon score en ce moment, je suis à 479. J'aimerais ça là aller dans le vraiment là monter. Donc sans plus tarder, vous allez voir là en bas ici en bas de moi là, vous allez voir là, tout est inscrit, il y a des petites affaires d'inscrits pour aider les gens, donner des infos tout ça, c'est, j'essaye une petite barre. Et là je me suis rapetissé le visage. Et là, à côté de moi, vous allez avoir des notifications de Twitch. Si quelqu'un s'abonne à ma chaîne ou peu importe. Et sans plus vous dire, sans trop vous dire non plus que... Voilà, c'est ça. Donc en gros, c'est ça qui arrive. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est si vous me voyez des fois regarder de ce côté-là. De ce côté-là. C'est que j'ai un ordinateur. J'ai le chat en direct. Donc ça me permet de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est ça. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire. Dans le fond, c'est pas vraiment compliqué. Je vais dans le fond jouer un mono deck Nightmare. Donc vous voyez des cartes là. Donc je vais vous les présenter rapidement. Donc ici on voit que j'ai mis Bahop LD. Donc vous savez tous c'est qui Bahop LD. C'est Bahop LD. Dans le fond, je sais pas si on voit la souris quand je fais ça. Mais en tout cas, ça n'est pas grave. Donc, Bahop LD ici en haut, qui est à moins 4 de puissance, moins 4 de dégâts. J'ai mis Christopher, qui est croissance plus 1 de vie. J'ai pris Cyril, qui est copie, puissance et dégâts adversaire, donc qui est quand même 2 étoiles. Donc, il y a beaucoup de 9 de puissance en ce moment qui traînent dans Urban Revolt, donc elle peut être très bonne. J'ai pris Dr. Corpse. Je vous avais déjà dit que j'étais pas trop semi-évo. Mais là, je suis allé avec un semi-évo. Je vais tenter l'expérience. Donc, voilà. Après ça, j'ai pris Dudley LD parce qu'il est vraiment machine. 5-6, moins 3 puissance minimum 1, c'est assez incroyable. Pandora, qui est une des cartes, une de mes cartes préférées, celle-ci. Pandora, que j'adore. Et j'ai essayé, lui, ce Profiteer Man, pour la simple raison qu'il est 7-6 et il t'apporte de la puissance brute. Par contre, il a un pouvoir moins 3 de vie minimum 1. C'est un petit peu difficile à passer, mais vous allez voir. Et j'ai bien sûr mis, sans hésitation, Sucareto, qui est courage, moins 2 puissance, minimum 3. Là, je vais jouer mon tour, avant que le joueur s'impatiente. Donc là, je vais y aller avec Profitoman à 0. Simplement pour soit le faire piliser, ou je vais lui donner, mais disons, mettons, là, je suis pas allé peut-être la meilleure façon, là, mais... Là, j'ai comme pas le choix, j'ai fait qu'est-ce que je pensais qui était le mieux. Donc, voilà. Donc, si ça vous plaît ce jeu, n'hésitez pas à me parler. J'osais ça. Moi, je n'affiche pas le chat pour la simple raison que je trouve que ça vaut. Pas que ça vaut pas la peine. C'est juste, j'ai regardé certains gens qui le font et je vois pas l'intérêt de le mettre là. Le chat, vous l'avez vous. Vous êtes un utilisateur de Twitch, vous l'avez en direct, donc voilà. Et en plus, c'est plus facile pour moi si je veux mettre cette vidéo-là sur YouTube. Donc, sans avoir de chat, là, ça fait comme... Bon, voilà. Donc, là, je viens de jouer Profiteer Man. J'ai fait 3 dégâts, je me suis fait 3 dégâts. Ça m'a coûté 0, ça lui a coûté 0. Donc, on est un petit peu au même point de départ. La seule chose que là, c'est Miss Jessie. Là, je vais lui faire 1 dégât sur moi. Puis, en fond, je vais lui enlever 2 points de vie. Il va s'en redonner. Le gars, il vient de piser comme un tata. Et là, je viens de prendre l'avantage solidement sur le combat. Donc, voilà. OK. Là, je fais juste calculer. 7 fois 7, 49. Donc, je gagne automatiquement. Il a trop pisé. Donc, un petit match facile. Donc, juste pour être sûr qu'il ne gagne pas, je vais juste vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, c'est la même chose. Donc, attendez un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Non, c'est ça. Là, je mets 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, c'est ça. Donc, je gagne. Simplement parce que là, mon idée pour avoir fait ce deck-là, dans le fond, c'est assez simple. Je me suis dit, je vais mettre un mono stop pouvoir, mono stop bonus. Tu sais, j'avais dans ces idées-là, là, je sais pas laquelle exactement je voulais mettre, mais là, j'ai dit, je vais aller avec mono nightmare. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, puis là, je dis Pandora. On a Pandora, Dudley, LD, Christopher. On a une couple de bonnes cartes là, qui sont disponibles. Donc là, ça me donne à rien de mettre trop même si je pourrais mettre 0 pills, je vais gagner. Christopher, il ne craint pas les réducteurs de dégâts. Donc, c'est quoi l'habit de la vidéo? Ben, c'est de faire, dans le fond, 1 heure de let's play avec vous. De jeu. De ce jeu. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, une belle victoire, assez facile. Donc, ça commence bien. Donc, on continue. Donc, là, vous allez voir, là, mon but, c'est vraiment de monter mon score PC le plus haut possible en 1 heure. De faire le plus de combats possible. Pour que ça soit le plus. Combat possible. Ok, c'est bon. Je vais juste vérifier que le son n'était pas trop fort. Donc, désolé pour un double son. Ok, bon, là, je me prends contre un biclan. Bon, premièrement, il n'y a pas son biclan, donc c'est un avantage. Et je stoppe son revanche. Donc, il n'y a aucun moyen qu'il soit en revanche. D'accord, donc là je vais lui mettre d'en face. Mais là, avec Profit Omen à 1. Pourquoi je fais ça? Parce que souvent l'adversaire il va gaspiller son réducteur de dégâts contre moi à 0. Bon, là moi j'ai fait 4 de dégâts, mais je m'enlève 3 points de vie, mais c'est pas grave. J'ai quand même l'avantage d'un point de vie. Et là je viens de passer Profit Omen. Bon, voilà. Profit Omen il peut être bon contre les stop pouvoirs qui sont en pouvoir. Donc c'est quand même intéressant, mais il faut quand même faire attention. Donc là, vous voyez, là, ma tactique, là, c'est de me laisser frapper de 5, puis d'y enlever 2 points de vie. Voilà. Ok, là, je vais... Mais je pense pas qu'il va... Attendez, là, je vais juste vérifier quelque chose. Bon, là, s'il y a 6 fois. Il se met en furie. 6 fois 6, 36. Plus 10, 46. Bon, là, je vais tenter de voir si notre ami ici va y aller le tout pour le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Là, j'y vais comme ça. Non, il y a un de moins. Je vais le moins parce que je me laisse un. Oh non. Là, j'ai mal joué. Là, j'ai joué trop vite. Oh, là, je vais perdre. Je pense que c'est la défaite. Ouais. Ouais, parce qu'il va se mettre en furie. Oh non. Là, c'est la défaite. Pareil. Non, c'est pas la défaite. Non, je gagne. Je gagne! Je pensais pas gagner. J'ai gagné grâce à un peu un coup de chance. Il peut pas se mettre en furie. Fait qu'il me fait juste 2 de dégâts. Et je pensais pas qu'il allait faire ça. Oh, hey, je suis chanceux. Même si t'es en revanche, puis il protégeait son attaque puis son dégât, ben moi j'avais stop bonus. Donc stop bonus qui est vraiment extraordinaire, ce pouvoir. Donc voilà, on continue, une belle victoire. Donc ça va quand même extrêmement bien pour l'instant. Donc voilà, donc j'adore ça, ça va bien. Donc je sais pas si vous aimez le layout que j'ai fait, comme on dirait. Bon, un autre stop bonus comme moi. C'est lui qui commence, par exemple. Bon, lui il est plus poison et vie, ce que je peux voir. Colossus, donc ça peut être un très bon joueur que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus sur ce jeu. Donc il faut faire attention. Donc en même temps, je me dis quelqu'un qui serait wise. Mais vu qu'il n'y a pas grand monde qui regarde mes streams live, c'est pas grave.
une chance, parce que je pourrais perdre, ce serait pas facile, là. Je pourrais perdre, là, parce que les gens pourraient regarder mes streams, puis dire, ah ben il va jouer ça, tu sais. Bon, là moi je soupçonne que notre ami ici, il va d'une tactique exemple, et je crois qu'il ne pilsera pas, mais je suis pas sûr, fait que je vais quand même essayer de le dissuader, voilà. Donc là je viens de faire 6 de dégâts. Là, il y a le beau petit Dragomir en haut là, qui m'achale un petit peu. Un petit peu pas mal, parce qu'il peut se redonner des points de vie. Cependant, je vais tenter de le dissuader. Il y aller avec, mettons, deux Profiteur Man. Sachant que, peut-être que là, je lui mets la pression pour qu'il pense que je vais mettre en furie. Puis là, il va tout mettre ses pills. Donc, voilà. Donc, moi, ma tactique, là, en ce moment, c'est que je me garde DJ Corpse pour manger des coups. Parce que là, son niveau, il commence à être pas mal haut. Et j'en ai pas d'autres. Mais je sais pas s'il se vend bien cher. Il est très, très utile, DJ Corpse, en ce niveau 4 étoiles. Parce que son pouvoir, il est 7-5. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je pensais. Il a pilsé plus que je pensais. Donc là, il me fait juste 4 de dégâts. Et là, ils viennent de sacrifier Pandora. Je vais m'en débarrasser. Passoir à la visite. Donc, ils pensaient que j'allais être en furie avec Pandora. Donc là, l'option qui me reste. Ok, bon. Là, regardez, là, je vais faire une analyse. Bon, là, disons que. Là, j'ai fait 4 de dégâts avec Baho LD. Il est à 5, donc il va être à 25. Donc moi, j'ai fait 28. Et je me laisse frapper après. Puis j'enlève 4 points de vie. Il va être à 1. Moi, il peut pas me baisser. Fait que je gagne. Donc, très bon Baho LD, là. Je m'ennuyais de lui. Tiens, toi. Puis je pense même que ça avait m'en fourri. Fait que je gagne. Mais je vais faire exprès pour perdre, pour pas que mon bonhomme ait trop d'XP. Ça, c'est une affaire que vous pouvez faire. Vous faites exprès de perdre. Sinon, votre carte va monter extrêmement vite en XP. Puis c'est pas l'idéal. Donc, moins 4, voilà. Et voilà. Bonsoir, la visite. C'est sûr que si vous avez, disons, DJ Corpse en 5 étoiles. Ben, moi, il va falloir peut-être que j'ajuste mon deck, là, donnant le cas qu'il monte trop haut, là. Donc, voilà, c'est 3 matchs, 3 victoires. Ça va extrêmement bien. Je suis content. Donc, voilà. Donc, en gros, ça va quand même assez bien. Donc, là, ici, nous avons Guru, Jon Snow. Il me semble que j'ai joué contre lui tantôt. Ha! Ben oui, j'ai joué contre lui. Je sais pas ce qu'il essaye de faire comme deck, mais c'est pas fort, son affaire. Vraiment pas fort. Ok. Bon, là, j'ai Cyril ici, là, qui est quand même fatigant. Bon, là, j'ai Pandora qui ne craint pas aucune de ces cartes-là. Il y a juste lui, là, qui m'achale. Vous voyez, là, Air Pills avec Dudley LD. Donc, là, je stoppe son bonus, qui est quand même assez efficace, son bonus. Donc, là, vous voyez en bas, là, qu'est-ce qui défile en ce moment, c'est marqué... ma chaîne YouTube, allez voir ma chaîne YouTube, je joue le jeu que je joue, Urban Rebels. Je me mets en IRL pour la simple raison que, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué auparavant, ceux qui connaissent bien Twitch, IRL, parce que je me mets Urban Rebels, il n'y aura pas personne qui va regarder mes vidéos, c'est garanti. En attendant, je me mets IRL pour l'instant. En même temps, je peux parler de tout et de rien, tu sais. Mais non, mais je suis plus spécifique sur ce jeu-là. Bon, là, je savais qu'il va y aller à 0. Donc là, j'y vais comme ça. Parfait. Puis là, ben moi, mon jeu, c'est quoi, les amis? Ben, c'est d'y aller à fond le train avec elle. Parce que là, je vais y faire 7 de dégâts. Et voilà. Donc, je viens de gagner. Et voilà. Elle est forte. Elle est vraiment forte. Elle copie le bonus de l'adversaire. Et voilà, voilà. Boum, 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 dans ta face. Et voilà. Et là... Je joue Pandora à 0 pills. Il va peut-être abandonner le combat aussi. Il peut pas me faire plus que 5 plus 4, 9. Puis moi, j'enlève des points de vie après ça avec DJ Corpse. Donc, c'est garanti que je gagne.
Ah non, tu fais 5 de dégâts, aïe aïe. Après ça, il va me faire 4, mais. C'est parce que l'affaire qu'il sait pas, c'est qu'il va tomber à. Il va tomber à 1. Il m'enlève quand même. Aïe aïe, ça va bien à date, les amis, ça va vraiment bien. Je suis vraiment content. Donc, c'est un deck que j'ai déjà joué auparavant. Ben non, c'est pas vrai. Oui. Oh, ça fait longtemps. Je l'avais oublié dans le fond. J'avais oublié que j'avais ce deck. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo de Urban Revels. Je m'en excuse. Ça fait un certain temps même là. Même. Je me souviens même pas la dernière fois que j'en ai fait un. Là. Donc ça fait quand même. Ben, ça fait une semaine là, dans le fond. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc là, je me prends contre un Biclan avec un leader. Et ça, c'est bizarre. C'est-tu moi qui commence? Ça, les amis, c'est extrêmement bizarre. Bon, là, au moins, j'ai pas peur, trop peur. Ben, pas peur. Faut que je fasse attention, pareil, à ces cartes-là. Mais bon, là, j'ai Pandora qui n'a pas peur du tout d'aucune de ces cartes-là. Donc, parfait, là. Dudley LD n'a pas trop peur de Mina, mais quand même, Volt, il m'enlève des points de vie. Bon, là, Ralph ici. Ok, Ralph. Ralph. Bon, on va y aller avec Bahop LD pour la simple raison que. D'après moi, il est allé à 3 pills. Je crois. Oh, il est allé plus haut que ça. Waouh, ça fait mal. Bon, c'est pas grave. Ok, là. On va y aller avec Cybelle à 1 pills. On va essayer ça. On va essayer d'aller chercher au moins des pills qui essaient de pilser. Mais là je doute que là il est allé avec peut-être Mina. Mais je suis pas certain. Ah, c'est ça que je pensais. Calme. C'est ce que je pensais, les amis. C'est ce que je pensais. Donc, non, c'est ça, c'est ça. Là, ça va pas super bien, mon affaire. Bon. Ok, bon, là c'est à lui à jouer. Là, je suis en train de penser. Qu'est-ce que je pourrais faire? La misère, là. Ok, là il va être Clover. Ouais, Clover. Je suis en train de réfléchir. Là. Mais lui, je vais le baisser à 5 comme moi. Donc, je suis sûr qu'il me fait, une crosse. J'en suis garanti. Ah, et voilà. Je pense que je viens de le battre. Ah non, je ne l'ai pas battu. J'ai fait 4. Ah, on fait nul. Bon, j'ai fait une nulle. Pas grave. J'ai mieux faire une nulle que perdre. J'aime mieux, comme je vous ai dit, j'aime mieux perdre que de faire une nulle. Donc, voilà. Et ça me dit que ça bug, mais. Je sais pas. Ça bug. Bon, un draw, les amis, un draw. Donc, on continue. Donc, là, ça me fait souvent ça quand que je suis sur le bord de changer de. Changer de. De. Non, je vais-tu le dire? Changer de. Le stade FC, ben ça me bloque. Voilà, donc excusez-moi. Bon, là ici, je fais face à un Mono Bangers. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, un Mono Bangers. Une personne qui est niveau 124. Ok, là c'est moi qui commence. Il faut que j'analyse comme il faut. Là, je vais y aller avec Sucaretto. À un pills. Juste pour la raison de soit le faire piser ou juste y faire des dégâts. Donc là, vous voyez en ce moment qu'est-ce qui défile, comme je vous ai dit tantôt. Ça marque le jeu que je joue, le deck que j'utilise dans le mode. Et après ça, il y a des petites indications là, qui dit merci de m'encourager et n'oubliez pas d'aller voir ma chaîne YouTube en bas. Donc, dans le lien. C'est aussi simple que ça. Bon, je pensais pas qu'il aurait fait ça, mais. Ok, là, il a récupéré des pills. Crick LD, il est extrêmement fort. Lui, des bagneuses, Crick LD, des bagneuses.
extrêmement fort. Bon. Ok. Là, ici, on peut voir que notre ami, il va sûrement y aller avec quelques pills. Puis il va récupérer ses pills, mais je suis pas garanti. Oh, voilà. Bon, là, il récupère ses pills. Ok. Ok, là, je vais tenter... Là, ils viennent de gagner. Notre ami ici vient de me battre parce que j'ai mal joué mon deuxième tour. C'est sûr, là. Si je perdais automatiquement, je perdais. Je pouvais rien faire. Je peux rien faire dans ce cas-là. Malheureusement, je perds. Malheureusement. Parce que là, il y a 77, moi j'ai 72. Hein? De 1 pills, les amis. De 1 pills, j'ai joué 1 pills de trop. Ça, c'est vraiment plate. Sinon, je gagne. Pas grave. Bon, ben, ma première défaite. Ma première défaite. Donc, allez, allez. Là, là. On dirait, là, ça, c'est moi, ça. C'est comme dans tous les jeux. Quand j'arrive pour franchir un nouveau stade, là, on dirait que plus rien ne va. Mais il faut pas penser comme ça. Tout va bien aller. Ah, niveau 15. Ha! Ça veut pas dire qu'il est pas bon. Hein? Faire attention, il ne faut jamais juger le niveau du... ben là, il est senior, fait que, tu sais, en principe, ça devrait être quand même assez facile. Bon, là, je vais mettre Profitoman pour la simple raison que je peux le faire piser. Et là, j'ai des belles petites cartes, là. Donc, c'est un deck quand même, j'ai pas de stop pouvoir, mais j'en ai pas besoin avec ce deck-là. J'ai beaucoup de réducteurs de dégâts, j'en ai deux. J'ai un qui enlève la vie, j'ai un qui m'en donne... Bon, là, j'en ai un qui m'enlève aussi en contre-coup, mais c'est pas trop grave. Sinon, j'ai Pandora qui bloque tout, qui va être utile jusqu'à la prochaine étape. Pas celle-là, l'autre d'après. Donc, non, il y en a un autre après, c'est vrai. Je suis vraiment bas, là. J'ai regardé mon score FC, je fais ouf. Faudrait que je le monte. J'ai joué beaucoup dans le tournoi, là, dernièrement, le Urban Revolts Championship. Oh, ça fait mal, mon ami. Ouf! Allez, je fais 6 de dégâts. Ok, je mange 3 de dégâts, mais là, je viens d'en faire 6. Aïe, 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 ça fait mal. Là où ça fait mal. Bon, le seul qui m'énerve un petit peu ici, là, c'est Desmond. Mais là, si je joue Desmond, je vais me laisser me frapper avec TJ Corpse. Ah, ok. Bon. Là, ça change un peu la donne. Je veux pas que Judy elle, soit activée. Donc là, je vais y aller avec... Là, il faudrait qu'il pills comme un débile mental. Par exemple, qu'il mette je sais pas combien de pills, mais je pense pas qu'il y ait autant de pills que ça. Là. Ouais, c'est ça. Donc ça va bien. Donc là, j'ai vraiment l'avantage dans ce combat. Extrêmement, même. Ok. Bon. Là... Je vais y aller avec DJ Corpse. J'ai pas d'autre choix là. Je suis pas extrêmement grillé comme on dit en frais de. C'est ça. Fait qu'il reste environ à peu près une demi-heure encore à faire avec vous, amis. Donc je suis vraiment content là, du résultat. Comme je vous ai déjà dit, j'ai réussi à trouver un programme sur OBS. Donc, ça ne me dérange pas de vous partager ça. Ça s'appelle NDI Source. Excusez-moi, j'ai un petit peu rhume. Donc, NDI Source, c'est une chose que vous pouvez prendre pour... via, c'est sûr que ça vous prend un réseau local. Ou simplement un fil croisé d'Ethernet. Donc, le fil de réseau. Et vous partagez votre signal. Mais moi, je vous dis là, que ça vous prend exactement. Ça vous prend... une switch, donc un hub avec des fils de LAN et vous allez voir, ça va très bien. Si vous avez deux ordinateurs et vous ne voulez pas avoir de carte d'acquisition, ben votre autre ordinateur, ça vient comme un boîtier d'acquisition. On peut dire ça. Dans le fond, c'est comme transformer un ordinateur en boîtier d'acquisition. Votre ordinateur, vous servez pour streamer. Vous streamez avec votre ordinateur, vous envoyez votre source vidéo dans votre ordinateur et elle envoie le signal sur Internet.
Donc, c'est ça. Donc là, ici, je crois même que je viens de perdre. Ah non, j'ai pas perdu. J'ai pas perdu, mais... oui, j'ai perdu. Ah, j'ai perdu contre un niveau incroyable. Là, j'ai honte, les amis. J'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte. Là, j'ai honte de moi. Là. J'ai perdu contre un niveau 15. J'ai vraiment, vraiment mal joué. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai voulu sauver mon DJ Corps. Et j'aurais dû y aller avec Bahop LD. Bon, là, vous voyez, là, j'étais pas loin du stade, de mon stade de 500. Là, plus rien ne va. Je perds. Donc, c'est ma nouvelle tendance en ce moment. Victoire, là, c'est les défaites par-dessus défaites. Regardez bien ça. Bon, là, lui, il a un deck assez malade dans la tête. Je suis quasiment sûr de perdre. C'est extrêmement trop fort, son affaire, là, ça n'a pas d'allure. Ils sont trop cheatés, eux autres, c'est débile. Bon, c'est ce que je fasse. Lui, il a 10 de puissance, l'autre, il enlève 3. Tabarnan, c'est un deck de mongol, man. Waouh! Hey, c'est n'importe quoi. Ben, je vais y aller de même. Yeah, je vois pour qu'il pills. Là, il va mettre Rattle à zéro pills. Checkez bien ça. S'il fait ça, là. Non. Ah, sac! Hey, il est ben trop fort, Cannibal Joe CR. C'est une machine, ça. 8-5. Croissance moins 2, minimum 2. Waouh! Hey, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Vraiment, là. 8 x 8, 64. Bon, là, je vais y aller de même. Il va sûrement y aller à le fond de train, c'est ce que je pensais. Bon, là, je suis vraiment dans une spirale de défaites. C'est dégueulasse, ça. Ça fait 3 défaites d'affilée. Et ma dernière défaite, c'était vraiment nul à chier. Bon, est-ce que Profiteur Man, il est si bon que ça? Pas sûr. Je suis en train de me poser la question solide. Est-ce que j'aurais dû mettre Edwin? Peut-être. Lui qui est 5-5, là. 5-5, moins 3, minimum 4. Là. Mais c'est pas grave. Mon deck est fait, là. Je vais essayer de... On va essayer d'y aller. Profito Man, c'est parce que... Si tu prends contre un réducteur de dégâts, c'est là que c'est là le problème. Tu sais, il est comme bon, mais il est pas si bon que ça. Bon, là, je me prends contre un mono. Ok, là, contre Brian, il serait bon. Ok. Contre Brian ici, là, il serait bon, mais... Ça dépend qu'est-ce qu'il joue en premier, ce bois-là, ici. Bon. Il va jouer Tarmod, c'est sûr qu'il va jouer Tarmod. Mais je vais me laisser me frapper de 1. Je vais me débarrasser de Profito Man. En fait, je m'en débarrasse plus que d'autres choses, lui, quand je l'ai. Il peut servir à la fin d'un combat, mettons, pour... tenter de ça semble être une défaite encore ici, les amis. Ouais, vraiment, là, c'est pas ma tasse de thé, là. Donc, voilà. Donc, là, j'attends, je regarde. Oh, ça semble pas pire. C'est pas la grosse affaire. Donc, voilà. Donc, j'attends voir. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, je l'ai frappé. Ok, c'est peut-être pas fini, les amis. C'est peut-être pas fini. Faut juste que je... C'est-tu à moi à jouer? Non. Oh, la musique, elle a arrêté. Ah, ok.
pensais que la musique avait arrêté. Donc voilà. Ok, là il va avec Brian. Il me ferait 5 de dégâts. Faut qu'il pisse, y'a pas le choix. Attendez un petit peu. On va essayer, mettons, mettre à 35, voir ce que ça va faire. Je suis vraiment pas convaincu là. Ah, c'est que je viens de gagner. Merci! Une belle victoire! Hey, je pensais perdre. Là, je me sers de BAPLD comme bloqueur. Même si 8 moins 4, il me fait 4, fait que je gagne. Fait que je vais faire fight sans. Donc voilà. Si vous avez des suggestions d'améliorer ce deck-là, là, vous pouvez aussi. Là, n'hésitez pas. Soit live sur Twitch ou soit soit sur YouTube, en commentaire sur YouTube ou peu importe. Donc voilà, donc si ça vous intéresse. Là. N'oubliez pas, vous pouvez joindre mon clan, c'est assez simple à trouver. Vous marquez Fun Maître Fun et vous allez trouver mon clan. Donc sans plus tarder, nous continuons à jouer. Donc voilà, donc là je continue, je monte, je ne descends pas. Ah, encore lui, Israël Lerina. Ah, je l'ai battu lui tantôt, je pense. Qu'est-ce que tu sais, c'est-tu lui que j'ai battu ou il m'a battu, je pense. Donc là, on peut voir, il y a comme un certain nombre de joueurs limités un petit peu aujourd'hui. Bon, là, il y a Tenak, il y a Zintang, il y a Ken, il y a Dixie. C'est bizarre comme deck, hein? Il y a deux réducteurs de dégâts, mais Dixie, elle n'a fait que seulement moins un, minimum deux. Bon, on essaye de passer mon ami ici, le Profito Man, à un pills. Faire 5 de dégâts. Bon, moi je fais 5 de dégâts, mais en fait 3. Pas trop pire. Là, je vais essayer de le faire piliser. Je dis bien tenter de le faire piliser. Mais je suis pas certain. Ah ben oui. Il pile pas, mais il se débarrasse de sa grosse carte. D'accord. Là, je le vois tellement venir, là, avec ses sabots. Il va se donner de la vie. Donc là, mettons, là, disons que j'y fais 3, il tombe à 5. OK. Il me fait 4, je tombe à 7. L'empêcher d'être en furie au moins. L'empêcher d'être en furie. Bon, je le savais. Il fait 3 de dégâts. En plus de ça, il gagne. Oh, ça. Il me fait suer lui. Ça fait 2 fois qu'il me bat. Il me fait suer. Il me fait suer. Ça fait 2 fois qu'il me bat. Mais Zutang, il est pas. J'ai hâte là, d'avoir franchi le prochain stade parce que là. Des cartes, là, des fois, mes cartes sont comme pas assez fortes encore. Bon, là, je me prends compte. Bubuville. Ok. Bon, un autre que Zutang. D'accord. Puis là, c'est moi qui commence. Ok. On dirait qu'ils ont tous des decks pour me battre. Il y a elle qui m'énerve ici, là. Elle m'énerve. Un pills avec Sucaretto.
Est-ce que mon deck c'est le meilleur? Non. Est-ce que c'est le plus mauvais? Non. Mais y a-tu place à amélioration? Oui. Est-ce que j'aurais dû mettre Edwin? Oui. 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 J'en suis convaincu. Non. Oui, non, peut-être. Donc, voilà. Donc, là, j'attends. Donc là, je me prends contre un Titan, niveau 86 quand même. Donc, c'est assez haut. Oh, j'avais des doutes qu'ils mettent beaucoup de pills, mais pas à ce point-là. Bon, là, c'est pas si pire, les amis. C'est pas si pire. Là, j'ai deux. Là, j'ai l'avantage. La seule chose, c'est Lena qui m'énerve, mais elle m'énerve pas trop. Non, parce que j'ai DJ Corpse qui peut il enlever 4 points de vie. Le prochain coup, ça va être assez déterminant. En espérant que la musique ne bloque pas la vidéo, le son. Ça m'est arrivé la dernière fois, puis j'étais fâché. Là, j'ai pris... Une liste sur Spotify, c'est marqué Twitch et YouTube Free Rights ou Copyrights. Bon là ici, lui, il stoppe mon bonus. On va essayer de me débarrasser de Bahop LD. J'espère qu'il... Oh yes! Ça y fait mal. Dans ta face. Voilà. Bon, là... J'analyse, donc 8 fois... 8 x 5, ça fait 40. Vas-y. Bon, là, mais disons que je fais quelque chose. Disons que je fais 6. Il va tomber à 12 plus 8. Ok, attendez. Là. Tomber à 8. Puis il peut me faire 8 de dégâts. Après, je tombe à 4. Moins 4, 4. Je vais essayer. Ah non, c'est parce que. C'est ça qui arrive, c'est que. S'il joue Lena, je suis complètement. Comment on pourrait dire. Je vais essayer le tout pour le tout, les amis. Là, je gamble. Là, je fais mon gambler. Je fais mon gambler, mais. Ça peut que ça paye pas. Puis je pense que c'est ça qui va arriver. Là, je fais mon gros gambler. Ouf! Mon gambler a payé. Ah! Là, j'ai gamblé. Là, j'ai mis all-in. L'all-in a été payant. Oh! Merci, merci. Je pensais perdre. Mais non, j'ai été chanceux. Donc, là, il me fait 8 de dégâts. Mais lui, il perd 4 points de vie grâce à DJ Corpse encore. Donc, DJ Corpse qui est... un DJ, mais qui lance des disques de la mort. Je vais te lancer un disque là-bas! Non, mais c'est ça. Donc, ça me tentait de faire une petite blague ici. Là. Donc, voilà. Donc, une belle victoire. Donc, bien analysé de ma part. Donc, quand j'analyse comme faut, ça, c'est un jeu d'analyse. Hein. Il faut bien analyser. Si on n'analyse pas bien, ben on peut perdre. Donc, comme moi tantôt, je jouais trop vite. Et c'est ça. Donc voilà, je regarde. Oh, problème de connexion. Pas d'adversaire. Bon, ça va bien. Let's go, lâche pas. Il va en avoir un. Oh, il y en a un. Ok. Oh, un beau sang. Un héros. Bon, un autre qui utilise les... Ah non, ok, un biclin ici. Mais il n'y a pas son biclin. Bon, le seul qui m'énerve, c'est Rage. Ouais. Bon, j'ai encore Profito Man. On dirait que quand je l'ai, lui, je perds. Est-ce que c'est une carte à changer? Oui! Mais là, vu que je fais un live, ça me tente pas de tout vous faire bouger toutes les affaires, fait que je continue avec. Bon, là, on va passer de Dudley LD ici. On va faire 4 de dégâts, je pense.
Oh là là! Il est dans mes pizzés, lui! Wow! Hey, ça, c'était champion, ça. Ok. Bon, je vais y aller à 2. Pour pas qu'il joue son rage. On va garder Profitoman pour la fin. J'ai pas le choix. Est-ce que c'est une carte que je regrette d'avoir mis? Je pense que oui. Hey, je pensais jamais qu'il aurait mis 6 pills. Hey, ils sont plus. Ton astic de plus 14 d'attaque là. Il est fort lui, il est fort avec son plus 14 d'attaque. Bon ben j'ai perdu les amis, c'est garanti. Il y avait quand même des cartes assez puissantes là. Il y avait Agnès qui est 9-6. Il y avait Rage en confiance qui a 10 de dégâts. Il y avait Kruger qui est un moins 2, minimum 4 les deux. Puis il y avait plus 14 d'attaque. Donc il était quand même assez bien ferré là. Très très bien ferré ici là. Extrêmement bien ferré. Je me laisse battre là. Tant qu'à perdre, ça se met de perdre. Et voilà, pas plus grave que ça. Mais non, pas grave. Une défaite. Bon, là j'avais pas mes réducteurs, donc j'essaie de monter, mais en fin de compte, je reste pas mal. Je stagne pas mal. Mes 10 combats vont être faits, ça c'est sûr. J'aurais peut-être dû aller voir les. Bon. Bon, tantôt j'ai perdu contre un niveau 15. Là, je le prends pas à la légère. Là. On sait jamais, ça peut être un ancien joueur qui. Ok. Tiens, je vais y aller à 1 pills comme ça. C'est là qu'on va voir si c'est un. Ah, oh, c'est sick. Non. Là, Dami, j'ai extrêmement mal joué. Regardez War. War d'HG, j'avais pas vu. Copie des gars. Là, avant de jouer, je vais tout analyser les cartes une par une. Comme je fais d'habitude. Là, je suis trop vite. Là, c'est sûr qu'il va jouer lui. Il va me faire 6 de dégâts en plus. Moi, dans la tête, j'ai vu Nello. Tu vas jouer Nello. Donc, je suis pas convaincu. Non, c'est ça. Bon, au moins, il y a eu beaucoup de pills. Là. C'est ce qui peut jouer à mon avantage. Bon. Pas si pire. Ok. Bon. Au moins, je me suis débarrassé de Profitoman, mais j'ai mangé 6 de dégâts. Ouch! Ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Avant, c'était marqué, avant que ce soit copie dégâts adversaires, c'est marqué dégâts égale dégâts adversaires. Copie, c'est moins compliqué. Copie. Là, il y a un nouveau, j'ai hâte de l'avoir, là, j'ai dans deux niveaux. Il y a un nouveau leader qui est sorti, Cobb. Donc, très intéressant. Si j'ai bien lu, là, parce que j'ai pas regardé trop sur lui, je crois que quand on l'a dans notre deck, toutes les bonus des autres cartes sont actives. Donc, vous pouvez vous faire un deck pas de clan. Donc, mais les bonus vont s'activer. Comme quand vous faites, disons, vous faites des combats dans. C'est dans quel mode ça? C'est dans le mode. Ouais, c'est pas des modes spéciales. Que vos cartes bonus sont activées. Pas besoin d'avoir deux cartes du même clan. Donc, c'est quand même assez puissant. Là. Bon, là ici. Pandora, c'est sûr que. Bon, mais là, Christopher. 3 pills. Essayez de voir que ça va donner. Oh, ça c'est bon ça. La seule chose, c'est qu'il va récupérer des pills. C'est ça. D'accord. Bon. Bon, là ici. 35. Fait que faut que je me garde au moins 40. Là, ici, j'en joue 4. J'ai 35. Je descends tout. Tout le monde est heureux. Tout le monde gagne. Je gagne. Et bonsoir à la visite. Et voilà. Donc là, j'ai été chanceux. Là, j'ai vraiment été chanceux ce coup-là. Une chance que. Là, j'ai mis stop bonus.
une chance qu'il récupère pas ses pills parce que là, il aurait gagné. Là, j'y vais avec Scaretto. En courage, qui est moins 2 puissance et dégâts, adversaire minimum 3. Et donc là, il va mettre. C'est sûr. Bon, c'est sûr. Donc, c'est garanti que je gagne, même s'il mettait toutes ses pills. Voilà. Même, je vais faire un beau 6 de dégâts. Donc, on va voir ça. Et voilà. Bon, là, je me mets en furie parce que ça me tente, parce que je suis fâché. Ok, je te fais 6 de dégâts. Elle est vraiment forte, Pandora, là. Pandora, c'est la mini Imeros. Elle est vraiment, vraiment efficace. Dans beaucoup de situations. Donc voilà, est-ce que j'ai traversé? Pas encore. Là, ça, plus 0. Ça m'a pas donné aucun score, hello. Pourquoi? Ok. J'ai pas eu de score UFC dans ce combat. C'est bizarre. Moi, je gagne pas. Je gagne, mais je gagne pas. C'est un peu décevant, là, je vous dirais. Bon, un mono. Non, un biclan. Ok. Qui est composé de Ghost. Et de Frozen. Donc, qui est revanche 2-2. Et Ghost Rope. Oh, parfait. Ok. Est-ce que nous allons perdre? Je ne crois pas. Mais j'analyse et bon, là si j'ai dit tantôt j'analysais les cartes. Bon, là vous avez Mahimata qui est moins de puissance, moins de dégâts, minimum 1. Vous avez Ruru qui est en courage 7-6. Vous avez Ghost Rope qui riposte moins 2, moins 2. Et vous avez ici un petit fatigant qui enlève, qui s'en redonne des pills. Donc là, moi, des pills et de la vie. Donc moi, je crois que il va au moins avoir mis. Juste ça. Allez, attends. Bon. Là, j'ai enlevé. Je vais aller avec notre ami ici, comme ça, Profito Man. Pour lui faire penser que peut-être je vais y aller comme à fond de train pour essayer de le tuer, mais. Ça risque peut-être d'être mon dernier combat de la vidéo. Parce que là, je regarde le temps, puis le temps défile assez rapidement. Et ça fait quand même, je vous dirais, un certain temps que je diffuse. Je vais regarder, c'est combien de temps. Bon, c'est ça. Ça risque d'être mon dernier combat. Moi, si je vais avoir le temps de tout faire mes choses avant de partir travailler, bien sûr! Donc, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, qui était quand même bien. Là. Moi, j'ai trouvé bonne. Qualité est excellente. Bon, là, il a joué Mahimata. Ok. Bon, il me fait 4 de dégâts seulement. C'est pas si grave. Ok. Là, il faut que j'analyse. Ok. Là, il y a Ruru. Et il y a Ghost Rope. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que je suis sûr de gagner? Oui, parce que regardez, j'y fais. Peu importe qui joue. Il joue Ruru, je mets Bahop LD. Il fait 4 de dégâts. Et je ne mange. Ça fait 60. Attendez un petit peu. 64, donc tout est beau. Donc une belle victoire pour finir. Est-ce que je vais monter? Peut-être. Donc, il me fait 4 de dégâts. Puis moi, j'y en fais 4 de dégâts. Puis c'est bonsoir la visite. Donc 6 fois. Fois 9. Oh, 54. Donc, je prends pas de chance. Je mets à fond le train. À fond le train. Tout aussi bien, là. À fond le train. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, boum, pow, pow, chica, chica, wow, wow. Et voilà. Donc, une belle victoire pour finir. J'ai pas réussi à monter dans l'UFC plus haut. Donc, je vais juste regarder c'est quoi le beau coffre que j'ai. Je suis quand même pas si pire. Je suis quand même en bonne position. Je monte. Comme ça, 282 de clean, 582 et d'Aliena. Ok, c'est quand même. Je sais pas qui est là-dessus. Bon. On revient, on va aller ouvrir le coffre de Daily Event.
top du jour, des cleanses, la sonde, la, attends, la salle rosa, voilà. La salle rosa, et c'est un beau nom ça, la salle rosa. Donc voilà, attendez, je vais juste voir si je fais ça. Bon, là, vous voyez en gros, et vous voyez en double, attendez un petit peu. Bon, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La vidéo, dans le fond, qui était de d'Urban Revels. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo qui était correcte, tant qu'à moi, qui n'était pas trop longue. Là. Donc, c'est Maître Fun qui vous dit merci d'avoir été là. Et qui vous dit, n'oubliez pas, les liens vont apparaître autour de moi. Tout va être là. Donc, n'oubliez pas d'aller voir ça. N'oubliez pas d'aller en bas. Tout est là. Tous les liens sont là. Commentez. Et dites-moi qu'est-ce que je peux améliorer dans mon deck. Ou si, peut-être que je peux me faire la barbe. Donc, n'oubliez pas, les liens vont apparaître. Donc, c'est Maître Fun qui vous dit, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Au revoir. À la prochaine.